Hello! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi! Ciao, ciao! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc, sur les jeux Saturn à collectionner. Comment bien démarrer votre collection, on a déjà vu 20 jeux dans les deux vidéos précédentes que vous pouvez retrouver par ici. Et là, on enchaîne donc sur 10 jeux supplémentaires. Donc, vous allez voir, il y a du choix. On a même un petit shoot'em up pas trop cher. Donc, ça, c'est cool. On a du jeu de caisse, du jeu de combat. Enfin, voilà, il y a un peu pour tous les goûts. Donc, c'est plutôt pas mal. On va commencer par un jeu que j'ai en deux versions, version pâle et version japonaise. Il s'agit tout simplement du Sega Rally Championship. Et oui, donc un excellent jeu, évidemment. Est-ce qu'il faut vraiment présenter Sega Rally? Je ne pense pas. Jeu de course, vous avez le droit initialement à deux voitures, donc la Toyota Celica et la Lancia Delta, et une voiture bonus également, la Stratos, la fameuse Stratos qui envoie du pâté, hein, très fort, très clairement. Super accélération, super vitesse, enfin voilà. Un jeu où il n'y a pas énormément de contenu, mais qui reste malgré tout très très cool à avoir, que vous pouvez choper en version PAL, c'est 15 balles, en version JAP pour 10 balles, vous l'avez. Donc voilà, un petit jeu très cool, vraiment, et qui montre quand même de bonnes performances en 3D sur la Saturn, donc il faut clairement en profiter. C'est fun, à deux, vous pouvez jouer en écran splitté. Voilà, très fidèle à l'arcade, un peu en deçà évidemment côté graphique, hein, c'est normal, mais ça reste du très bon pour de la Saturne. Alors, on va continuer dans les jeux de course tant qu'à faire. Voilà, je vais vous présenter deux jeux. Alors, je considère que c'est un seul jeu pour le coup, mais bon, je les présente ensemble. Le Daytona USA et le Daytona USA Secret Edition. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux jeux? Le tout premier est sorti au tout début de vie de la console. C'est en gros la transposition stricto sensus de la version arcade. Vous avez donc trois circuits, vous avez deux voitures, il me semble, de mémoire. Vous avez mode automatique et manuel. Un bon jeu, très sympa, très bon gameplay. Vous avez aussi dans celui-là quelques bonus que vous pouvez débloquer, notamment le fameux cheval, pour ceux qui connaissent le jeu. Et voilà, un petit jeu pareil, pas très très cher, pour moins de 10 balles vous le trouvez, c'est vraiment un jeu hyper commun sur Saturn. Quelques temps après, je dirais peut-être un an et demi après, j'ai pas les dates précises en tête, mais ça doit être dans ces eaux-là, Sega nous sort le Circuit Edition. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est en fait le Daytona USA, version arcade, mais avec pas mal de changements. Donc déjà, on a deux courses en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. On a surtout beaucoup plus de voitures disponibles. Vous avez la musique, malheureusement, qui a été refaite, notamment d'intro et du premier stage. Personnellement, je préfère la version initiale. Et vous avez également des changements en termes de gameplay. Moi, je suis un peu moins fan, hein, du gameplay du Circuit Edition. Malgré tout, j'y joue quand même de temps en temps parce que voilà, il est sympa, il y a pas mal de circuits. Il est fun, il est très fluide, il est bien sûr plus beau que le premier, je trouve, personnellement. Après les goûts et les couleurs, mais clairement, il y a beaucoup moins de clipping, notamment. Donc voilà, donc Daytona USA, un jeu à posséder, soit dans cette version, soit dans l'autre, enfin, en fonction de ce que vous préférez. On passe sur du RPG, et ouais, du RPG, du Tactical RPG pour être précis. On va parler donc de Mystaria, The Rings of Lore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il s'appelle Riglord Saga en japonais. C'est un jeu qui est. Je sais pas, il y a un truc à ce jeu. Vous êtes vraiment plongé dedans. Alors, il est vraiment moche. Enfin, vous mettrez certainement une petite vidéo pour illustrer le jeu de toute façon. Clairement, graphiquement, on est loin des standards de jeux 3D. Ça a plutôt mal vieilli. Par contre, je sais pas, il y a un côté. Enfin, moi, c'est mon premier tactical RPG personnellement. Et donc, j'ai un affect extrêmement fort avec ce jeu. Il est vraiment très 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 cool. J'ai beaucoup aimé à l'époque le faire. J'y ai rejoué là récemment. Bon,
C'est vrai que je l'ai pas terminé parce que c'est un jeu quand même qui est assez long. Mais ça reste très cool, il jette vraiment les bases du tactical. Et pour quelqu'un qui... quand je conseille du tactical, ce que je dis aux gens, c'est soit faites Shining Force 1, soit faites Mystaria. C'est deux jeux vraiment qui jettent des bases, qui vous lancent dans le style. Ça vous permet de vous donner une idée de ce que ça pourrait donner. Voir si vous accrochez à la partie stratégie justement de ce type de jeu. Donc voilà, vraiment cool. Je vous le conseille, on le trouve pour... entre 25 et 30 euros en règle générale, donc c'est pas un jeu très cher. Il est pas très recherché parce que justement son côté 3D révulse en fait pas mal de monde. Malgré tout, je trouve que c'est un jeu qui intrinsèquement est vraiment très bon. Donc je vous le recommande personnellement dans la collection. Ça là. Ensuite, on a un FPS. Alors je suis pas un gros joueur de FPS, surtout sur console. Mais là, il faut bien avouer que ce jeu a quand même d'énormes qualités. Donc le Exhumed. Donc Exhumed qui s'appelle quelque chose 1999 au Japon, je sais plus, et qui s'appelle Power Slave, je crois, aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, enfin, vous me corrigerez si je me trompe. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un FPS, plutôt un Quake-like, je dirais, parce qu'il a quand même une patte graphique très proche d'un Quake, qui se passe en fait dans une... temps égyptien. Vous allez explorer des pyramides, des tombes, etc. dans un empire égyptien. Vraiment très très sympa, extrêmement beau, qui est développé donc par Lobotomy Software. Un jeu vraiment que, même si vous n'êtes pas fan de FPS, je vous invite à faire ce jeu parce qu'il y a un côté FPS, mais en même temps un gros côté aventure dans le jeu. Et franchement, ce jeu, il est vraiment excellent. Je pense probablement le meilleur FPS sur Saturn, très clairement, je pense. Faut choisir entre Doom, Quake, Alien Trilogy éventuellement si vous êtes fan de Alien, on y reviendra. Mais voilà, le Exhumed, un jeu très cool que vous trouvez pour une vingtaine d'euros en PAL, trouvable aussi en japonais et en américain comme je disais. Maintenant voilà, vu le prix de la version PAL, prenez celle-là. Oui, le 50 Hz c'est sûr, mais voilà. Ça, c'est pas grave, jouez-y. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est un jeu, je voulais vous en parler, justement. Un jeu que je recommande vraiment sur Saturn, qui est mieux que la version PlayStation 1. Il s'agit du Dead or Alive, premier du nom. Alors vous voyez, j'ai deux éditions, j'ai une version classique, j'ai une version limitée également, parce que j'adore ce jeu, vraiment. Je trouve que c'est un jeu super. Alors là, pas de gros seins qui balancent, bon il y en a, hein, mais... c'est pas Dead or Alive 2 sur Dreamcast, très clairement. On a vraiment la quintessence d'un jeu de baston très technique, très orienté sur les parades et sur les contres, avec un roster du 10-12 personnages. Le jeu est magnifique, vraiment, la 3D est incroyable. Tecmo a fait un travail mais vraiment impressionnant sur la Saturn, en modélisant non seulement extrêmement bien les personnages, mais en plus tous les environnements sont magnifiques, vous avez des environnements avec des couchers de soleil et tout, enfin, le jeu est fabuleux. Vraiment c'est un opus que je vous recommande sur Saturn, et en plus il coûte que dalle, moins de 10 balles, donc franchement, faut pas hésiter, il est en japonais, il est en 60 Hz, alors oui, chose importante, il n'est jamais sorti ailleurs qu'au Japon, cette version Saturn. Donc pas d'US, pas de PAL, donc il faut absolument vous procurer la version japonaise. Mais bon, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous devez, je pense, réfléchir à acheter une Saturn japonaise, ce que je vous recommande évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a, bon, on va faire le petit shoot'em up, voilà, c'est un petit shoot'em up sympathique, c'est pas le meilleur. Moi je l'aime bien, en plus c'est dans un univers qui est quand même assez sympa. C'est le Macross. Alors Macross, donc qu'est-ce que c'est? Probotector pour les francophones. C'est un manga, un animé, qui à la base donc, est sorti dans les années 90 et qui a été adapté donc, sur Saturn pour sa version donc, en double CD. Très sympa, donc avec pas mal de séquences animées en plus dans le jeu. Et vous avez ici droit à un, on va dire, shoot'em up horizontal, où votre vaisseau a trois transformations. C'est un vaisseau, c'est également un mecha, et puis vous avez également un mecha qui peut marcher. Donc en fonction des situations, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Et donc voilà, un très bon shoot'em up
J'ai pas checké sa cote, mais de mémoire, c'est pas très très cher ce truc-là. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez vous choper. Donc voilà, pour un bon jeu avec des bonnes cinématiques, c'est une valeur sûre. On avance tout doucement, on enchaîne avec deux jeux d'une même série. Alors, un jeu qui va demander un petit peu plus d'investissement, vous allez voir, les jeux sont très peu chers, moins de 5 euros, vous pouvez les trouver. Il s'agit de Virtua Cop 1 and 2. Donc, des jeux rail shooting, vous incarnez donc un des deux ou des trois personnages en fonction de l'opus. Vous êtes des flics, vous devez descendre des méchants, enfin c'est de l'arcade pure et dure, c'est vraiment des super jeux, ils ont été très bien portés sur Saturn, la 3D est vraiment très cool. Par contre, pourquoi est-ce que je disais que ces jeux allaient être un peu chiants d'un point de vue budget? C'est qu'il vous faudra, à mon avis, à part si vous voulez jouer à la manette, obligatoirement, un truc comme ça. Alors, moi le mien est pas en version complètement dingue, hein. Il est un peu sunfade et tout. Pour vous dire, celui-là je l'ai payé 10€ ou 15€. Donc c'est trouvable pas très cher quand même. Généralement c'est un peu plus, hein. C'est plutôt une trentaine d'euros pour un pack comme ça avec le flingue. Vous pouvez le trouver moins cher en loose aussi, donc ça se trouve assez facilement si jamais vous allez au Japon dans la partie, enfin dans la section junk, vous en avez souvent pour 100 ou 200 yens, donc à voir. Mais voilà, c'est un jeu quand même qui va demander un petit peu plus d'investissement, mais qui en vaut vraiment la peine, surtout si vous jouez sur CRT. Alors là, clairement, le jeu, il faut absolument que vous le chopiez, les deux de préférence, et vous allez voir, ce sera pas les seuls shoot'em up dont on va parler dans ces vidéos. Donc Virtua Cop 1 et 2, vraiment des jeux à posséder. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là on a des jeux un petit peu plus méconnus, donc il nous reste deux jeux pour finir cette troisième vidéo. Je vais parler de quoi? On va faire d'abord le petit jeu de combat, donc j'en ai parlé dans ma vidéo que vous pouvez retrouver là, où je vous parle de tous les jeux de combat que je possède. Donc c'était début 2020, donc j'en ai rentré quelques-uns depuis, mais en gros voilà, les jeux avec plus que j'en pense, mon avis sur les jeux, etc. Vous savez qu'un de mes jeux préférés donc sur Saturn, c'est Street Fighter Alpha 2, et également dans du côté de SNK, c'est le Railroad Fatal Fury Special. Donc un jeu où il y a énormément de personnages, très sympathique avec ses deux plans de transition pour pouvoir combattre, avec également son système de coups très instinctif et de fury également très très intéressant. Un jeu vraiment excellent. Pour moi, le meilleur opus des Fatal Fury. Alors, je dis ça, mais j'ai vu une vidéo, je crois que c'est de l'ami DDG, de Babigui, qui présentait Railroad 2, que j'ai jamais testé. Donc, voilà, faudrait peut-être que je teste un peu pour comparer. Mais en tout cas, dans tous ceux sortis sur console, donc Sega, donc on a le Fatal Fury 3, Railroad normal, Railroad spécial, celui-là est clairement mon préféré. Et en plus, en version comme ça, RAM pack en plutôt bon état, vous pouvez le trouver pour une trentaine d'euros. Donc c'est pas des jeux très très chers, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et la version CD seule, donc si vous avez déjà la RAM pack, pareil, est encore moins cher, pour 15-20 balles, vous pouvez la trouver. Donc du bon SNK, du bon jeu de combat, évidemment toujours plus sympa à jouer quand vous êtes avec les potes. Je trouve que l'ordinateur est assez... il est chaud, hein, dans ce putain de jeu. Franchement, il vous met des grosses mandales, vous n'avez pas une seconde pour respirer, il est tout le temps sur vos côtes. Mais voilà, il est vraiment très très cool ce jeu, je vous le recommande vraiment. Et on termine avec un dernier jeu que j'ai également en japonais, qui n'est jamais sorti aucune autre version. Il s'agit du Steam Gear Mash. Donc un petit jeu de Takara, enfin édité par Takara, je pense pas que ce soit développé par eux. Faudrait vérifier. Je suis pas sûr, mais je pense pas que ce soit Takara qui l'ait développé, mais plutôt édité. Donc c'est un jeu de... C'est plutôt un shoot en vue 3D isométrique, un peu comme ce jeu-là, si je le retrouve. Il est là. Voilà, un peu comme Purakura Daisakusen. C'est un peu le même état d'esprit en termes de 3D. Sauf que vous contrôlez donc ce petit robot ici. Et vous devez passer chaque niveau. Donc c'est pas, il n'y a pas de scrolling obligatoire. C'est vous qui définissez le scrolling. Il y a des phases de plateforme également. Enfin, vous devez voir les images à l'écran. Un jeu vraiment très sympa. Qui est plutôt fun. Qui n'est pas hyper long. Mais en même temps qui a une durée de vie correcte pour ce style de jeu.
qui est faisable même si vous parlez pas japonais. Alors il y a pas mal de discussions quand même dans les phases de gameplay, enfin après les phases de gameplay etc, entre chaque niveau, un peu d'histoire pour faire évoluer le personnage, qui sont non parlés, donc il faut vraiment éventuellement lire un petit peu le japonais. Après c'est pas non plus du japonais hyper compliqué, vous pouvez bien imaginer, mais voilà, un petit jeu vraiment que moi j'aime beaucoup, qui est très coloré, qui est sympa, voilà, c'est pas un énorme jeu, c'est pas un must-have absolument sur la console, mais si vous démarrez une console, que vous avez déjà une petite vingtaine de jeux, pourquoi pas vous laisser tenter par ce petit jeu qui coûte, comme je vous disais, voilà, 25-30 euros, vous pouvez le trouver, donc faites-vous plaisir. Ben voilà, écoutez, ça termine cette troisième vidéo de collection Saturn. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a certains jeux dans cette vidéo qui vous aura particulièrement interpellé, d'autres où vous vous dites non mais ça c'est vraiment pas des jeux à avoir dans sa collection Saturn, peut-être, je n'en sais rien, je pense notamment à Mystaria qui pourra prêter à débat. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt, jouez bien, et puis ben, on se retrouve très prochainement pour la quatrième partie. Allez, ciao ciao.